Votre présence. Vous aurez remarqué qu'on a un petit souci technique, mais on a trouvé une solution. On va pouvoir commencer la conférence et la présentation PowerPoint arrivera d'ici 5 bonnes minutes. Je suis désolée pour ce petit problème. Alors, aujourd'hui, nous accueillons quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui est Henri Alexandre, qui est docteur en sciences de l'Université de Bruxelles, où il s'est spécialisé dans l'école de biologie moléculaire du docteur Brachet. Et il s'est ensuite spécialisé en biologie de la reproduction aux universités de Cambridge et d'Oxford. Et il est arrivé en 92 à la fac de médecine et de pharmacie de ce qui était alors l'UMH, où il a dirigé jusqu'en 2008 le service de biologie et d'embryologie. Alors actuellement, il est toujours collaborateur volontaire, mais à la fac de sciences. Et il est vice-président de la Commission fédérale pour la recherche scientifique et médicale sur les embryons. Alors, il va nous parler des prix Nobel et de la manière dont les attributions des prix Nobel en biologie et en médecine font l'histoire. Je lui cède immédiatement la parole. Merci, Anne. Tout le monde m'entend bien ? Parce que je n'ai pas l'habitude d'utiliser un micro, alors je vais ne pas hurler comme je le fais d'habitude. L'idée du titre de cette conférence m'est venue il y a de nombreuses années. Je vais vous raconter pourquoi. Donnant cours en première année de ce qu'on appelait à l'époque la candidature en sciences médicales, sciences biomédicales, biologie et pharmacie. J'avais eu comme injonction ou cahier de charge de donner les notions de biologie générale. Alors, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire, la biologie générale, donc avec les années, je me suis dit qu'au fond, c'était l'ensemble des choses qu'il est bon de dire et qui concernent pratiquement tous les êtres vivants. Donc ça s'oppose à des disciplines très pointues comme l'ornithologie, la bactériologie des sols et que sais-je encore, qui sont évidemment autant de sous-disciplines d'un ensemble qui s'appelle la biologie. Mais d'un autre côté, la biologie cellulaire, la biochimie, la génétique, la physiologie d'une certaine manière s'applique à toutes les disciplines et il est bon, même indispensable, d'enseigner tout cela à des étudiants qui deviendront plus tard soit médecins, soit biologistes. Et ce faisant, je me suis très vite rendu compte que quand on veut construire un cours de niveau universitaire et qui colle à l'actualité, on ne cesse de faire référence à d'éminents chercheurs du monde entier qui ont une caractéristique, c'est d'avoir très très souvent décroché le prix Nobel. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de prix Nobel de biologie. C'est parfaitement exact. Il existe plusieurs prix Nobel. Le prix Nobel de physique, le prix Nobel de chimie, le prix Nobel de physiologie ou médecine, et j'insiste bien là-dessus, il n'y a pas de prix Nobel de médecine. Ça n'existe pas, c'est une formule raccourcie que les journalistes utilisent à tort et à travers. C'est un prix Nobel de physiologie ou de médecine, prix Nobel de littérature et prix Nobel de la paix, dont je ne dirai strictement aucun mot, encore qu'il y ait beaucoup de choses à en dire, mais ces deux derniers prix Nobel sont des prix qui sont très souvent discutés
Je ne dis pas qu'ils sont discutables, je ne prends pas position, mais en tout cas, ils sont discutés parce qu'évidemment, ils font appel à une relative subjectivité des comités qui désignent le prix Nobel de littérature une fois par an. Le meilleur écrivain, ça n'est pas évident. Et alors, celui qui représente le mieux la paix ou les espoirs de paix, je vous laisse vérifier tous ceux qui l'ont obtenu au cours des 20 dernières années. Vous verrez qu'il y a de temps en temps de quoi être surpris. Et donc, alors, dernière petite chose, il existerait, semble-t-il, d'après les journalistes, un prix, j'en parle d'autant plus facilement dans ce bâtiment, un prix Nobel de sciences économiques. C'est faux. C'est le prix de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d'Alfred Nobel qui date de 1969. Ce n'est donc pas un prix Nobel au sens premier du terme. Alors d'où vient ce prix Nobel? Alfred Nobel, grand industriel, prétendre qu'il était pacifiste et peut-être aller un peu loin, parce que je suppose que vous avez tous, qu'il a largement contribué à produire avec de moult bénéfices toute une série de substances explosives, dont la dynamite. Il avait comme client les pays les plus belliqueux. La légende veut qu'il soit pris de remords à la fin de sa vie et qu'il se soit dit, bien finalement, j'ai fait tant de mal à l'humanité, je vais me racheter un tout petit peu en léguant ma fortune à une fondation qui porte son nom. Ce n'est pas tout à fait exact. Il a eu une relation amicale, d'ailleurs, de toute façon, ça ne nous regarde pas, avec une baronne, Bertha von Suttner. Et Bertha von Suttner était une dame qui était très éprise de paix dans le monde. Elle a d'ailleurs été une des fondatrices du Bureau international de la paix, lequel bureau a obtenu le prix Nobel de la paix. Et Madame la baronne a obtenu en son nom personnel le prix Nobel de la paix en 1905. Eh bien, cette dame, si j'en parle, c'est parce qu'elle a été probablement l'instigatrice. C'est elle qui a influencé Alfred Nobel et qui l'a induit à faire ce choix. Il n'avait pas de descendance directe, il a eu des héritiers, mais des héritiers collatéraux, qui ont évidemment réagi violemment lorsqu'ils ont appris que tonton ou l'arrière-tonton allait léguer sa fortune à une fondation. Il y a eu un arrangement et finalement, la grosse part de sa fortune a été égérée encore aujourd'hui par un comité Nobel, qui se charge de répartir les revenus annuels de la fortune en plusieurs prix que je viens de citer. Et pour vous donner une dernière information, le prix Nobel de physique, de chimie, de physiologie, peu importe, s'élève à une somme qui va du million au million et demi d'euros par prix. C'est-à-dire que comme ce prix est souvent partagé, en maximum trois parts, trois personnes, c'est écrit dans les statuts, on ne peut pas donner un prix Nobel à plus de trois lauréats, eh bien, ça leur fait 330 à 350 000 euros par personne. Comparez ça aux revenus des footballeurs et vous verrez immédiatement qu'il vaut probablement mieux faire carrière dans le sport lucratif que de passer son temps et toute sa vie à faire des recherches pour des salaires qui sont des salaires relativement modestes. Et obtenir un prix après 40 ans d'efforts, je trouve que ce n'est pas nécessairement malvenu. J'ajouterai cependant que le bénéfice d'un prix Nobel, ce n'est pas celui-là, bien entendu, c'est la notoriété. Et je suppose que vous savez tous qu'avoir eu un prix Nobel donne à la personne un véritable pouvoir, ne serait-ce que parce qu'on l'écoute, parce qu'il est invité partout dans le monde, et ça fonctionne. Ah oui, c'est merveilleux. On va pouvoir, alors voilà. Donc voilà madame, la dame dont je vous parlais. Mais les prix Nobel, j'en ai parlé. Je voulais peut-être simplement ajouter que pour attribuer ce prix Nobel, il faut évidemment des propositions. Ça peut être utile de le savoir. Ceux qui proposent au prix, vous voyez qu'il y a toute une série de catégories. Il y a l'Assemblée Nobel qui est composée de... Je parle du prix Nobel de physiologie et médecine maintenant, mais c'est à peu près la même chose pour les autres. Sciences physiques et sciences chimiques, c'est du ressort de l'Académie royale des sciences de Suède. Le prix Nobel de physiologie et médecine, c'est du ressort de l'université médicale qu'on appelle l'Institut Caroline.
et qui possède évidemment un très grand nombre de membres, dont 50 sont cooptés et forment l'Assemblée Nobel. C'est eux qui font des propositions. Ils sont en cela aidés par des membres suédois et étrangers de la section médicale de l'Académie royale, ainsi que des professeurs des facultés de médecine de Suède, Danemark, Finlande, Islande et Norvège, les pays nordiques, et de leurs homologues dans au moins 6 autres facultés étrangères, en ayant soin de répartir, c'est-à-dire que ne pas tout regrouper, pas prendre le Benelux, par exemple, que serait évidemment malvenu, mais d'avoir une relative répartition, et tous les anciens lauréats. Ça peut être intéressant dans une discussion à venir, parce que le risque d'une relative cooptation n'est pas absolument exclu, mais en tout cas, c'est très, très, très dilué. Alors, je continuerai en vous présentant un personnage qui n'a jamais eu le prix Nobel, mais qui est le professeur Jean Brachet, qui fut mon maître lorsque j'étais étudiant, et dont on disait à l'époque qu'il était nobelisable. En d'autres termes, ça courait dans les couloirs. « Ah, mais M. Brachet aura peut-être bien un jour le prix Nobel. » Et il m'a avoué lui-même, vous voyez, que sa fille, Lise Brachet, qui est une artiste peintre, lui a consacré un ouvrage. C'est une sorte de ensemble de recueils, de souvenirs. J'ai participé à ce petit ouvrage qui restait très, très, très discret. Il m'a un jour dit qu'effectivement, à une époque de sa vie, fin des années 50, début des années 60, il attendait avec une relative impatience et une certaine anxiété l'information qui tombe le premier lundi du mois d'octobre de chaque année, c'est-à-dire le nom du ou des lauréats du prix Nobel de physiologie ou médecine. J'ajouterai à cela que j'ai eu dans ma carrière montoise une chance extraordinaire de rencontrer un autre personnage. Vous ne me reconnaissez peut-être pas, c'est pas bien grave, le verre à la main, ça c'est pas rare, mais en train de trinquer avec un monsieur qui est revêtu de l'épitoge docteur honoris causa de la faculté de médecine. Et le troisième personnage, c'est l'ambassadeur, à l'époque l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Alors pourquoi je vous montre cela ? Ben, tout simplement parce que c'est le monsieur chez qui je suis allé, comme Anne vient de vous le dire, à Cambridge, pour apprendre les balbutiements de ce qui deviendra mon activité principale par la suite. Et ce monsieur n'est autre que le docteur Robert Edwards. Nous avions fait le bon choix puisqu'en l'an 2010, il a obtenu, lui, le prix Nobel de physiologie ou médecine. Et il est un de ceux, et j'ai repris ici la formule qui a été officiellement utilisée lors de la reprise des premiers prix Nobel. Il est remis à toute personne ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Je tiens simplement à rappeler à ceux qui auraient assisté à la précédente leçon donnée par M. Simon que c'est Robert Edwards qui est en réalité à l'origine de la procréation médicalement assistée. C'est lui qui a réussi pour la toute première fois une fécondation in vitro suivie du transfert d'embryons. En juillet 1979, naissait en effet le tout premier bébé, dit éprouvette, formule épouvantablement scandaleuse, mais bon, c'était ainsi qu'on utilisait, que les journalistes en parlaient, Louise Brown. Et aujourd'hui, on vous l'a dit sans doute, il y a plus de 10 millions de personnes à la surface du globe qui ont bénéficié de cette extraordinaire intervention médicale qui permet de soulager un type particulier de souffrance. Donc voilà un exemple de prix Nobel de physiologie ou médecine. Alors, quelques chiffres. Je vous parle du prix Nobel de physiologie et médecine. En vérité, quand Jean Brachet attendait avec impatience les nouvelles, il était tout aussi attentif au prix Nobel de chimie qu'au prix Nobel de physiologie et médecine. Et ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est d'abord, jusqu'à ce jour, jusqu'en 2016, il y a eu 108 prix attribués. Donc vous voyez que la soirée va être très longue parce que je vais les évoquer tous ou à peu près. Attribués à 209 lauréats, une moyenne de 2 lauréats par an. Et j'ai indiqué, entre parenthèses, 107 MD. Tout simplement pour attirer votre attention sur quelque chose que les gens ne savent pas d'ordinaire, c'est que le prix Nobel de médecine, paraît-il, ça doit forcément revenir à des médecins. Bien comme vous pouvez le constater, la moitié environ des lauréats ont une formation médicale, c'est-à-dire ont un diplôme de docteur en médecine. Et tous les autres, me direz-vous, qu'est-ce qu'ils sont ? Ce sont des docteurs en sciences, la plupart du temps, chimistes, biologistes, parfois zoologistes. Il y a des pharmacologues, il y a même des psychologues, je vous les citerai, il y en a eu 3 il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont des gens qui, au départ, ont une formation qui n'est pas nécessairement médicale, mais automatiquement, ils font de la recherche dans le domaine
des sciences dites biomédicales et parfois même très biologiques. Et c'est un petit peu ce dont je voudrais vous parler. Alors, pour en terminer avec cette introduction, il y a pas mal de commentaires à faire et faits à propos de l'attribution des prix Nobel. Vous constatez que si on se préoccupe de savoir quelles sont les nations qui ont été les plus souvent honorées, ben, les États-Unis sont largement en tête, ça ne surprendra personne. Je tiens à vous dire que c'est vrai depuis 1945 à peu près. Avant, c'était l'Allemagne et l'Angleterre qui se partageaient le gros du gâteau. Et puis les choses ont évidemment basculé. Qu'est-ce que ça prouve? Eh bien, je laisse à tout le monde le soin de tirer toutes les conclusions qu'ils veulent. Ça va dans tous les sens. Mais ça prouve en tout cas une chose, c'est qu'ils ont des moyens que n'ont pas les autres pays. Ils sont évidemment, un, plus nombreux. Deux, ils attirent énormément de chercheurs étrangers. Et il faut savoir que parmi ces 93 lauréats américains, il y en a beaucoup, peut-être la moitié, qui ont une origine européenne, soit allemande, soit russe, soit polonaise, soit roumaine. Je vous en citerai quelques-uns. Et bon nombre d'entre eux ont d'ailleurs quitté l'Allemagne. C'était des réfugiés, c'est très à la mode, c'était des réfugiés européens qui fuyaient les régimes totalitaires, nazis, fascistes et autres de l'Europe, et en particulier, évidemment, un grand nombre de juifs. Alors, à ce propos, il y a une information que je n'aime personnellement pas du tout fournir parce qu'elle donne lieu à toute une série de fantasmes qui me dérangent beaucoup. Mais certains se sont amusés à dénombrer les prix Nobel juifs ou d'origine juive. Et on arrive à un chiffre qui est tout à fait vérifiable. 25% des lauréats de prix Nobel sont soit juifs, se disent ouvertement juifs, ou d'origine juive. Et alors vous imaginez tout de suite ce qu'on peut tirer comme conclusion. Ça va du pire au meilleur et inversement. Donc je n'entrerai pas dans ce débat, c'est un simple constat, c'est ainsi, c'est un fait, c'est factuel, sans plus. Mais ce qui est par contre plus intéressant, c'est l'idée que la moitié de ces lauréats ne sont pas médecins, et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un extrait de la biographie autorédigée par un des prix Nobel relativement récent, c'est Richard Axel. Richard Axel a obtenu le prix Nobel pour avoir élucidé avec Linda Buck le mécanisme de l'odorat. Je vous en reparlerai sans doute. Et donc, vous voyez que c'est assez étrange parfois comme intitulé. Et voilà ce qu'il écrit à son propos dans sa biographie. « Mon incompétence clinique a été immédiatement reconnue par la faculté et le corps professoral, les doyens. Je pouvais très rarement entendre un murmure cardiaque au stéthoscope, vous imaginez un petit peu. Je n'ai jamais vu un fond de rétine, un fond d'œil, jamais vu la rétine. Mes lunettes sont un jour tombées dans l'abdomen qui était ouvert, l'abdomen d'un patient. Et enfin, ça c'est le sommet évidemment, il a réussi un jour à enfoncer l'aiguille lors d'une suture dans le doigt du chirurgien qu'il était censé aider. » Donc vous voyez un petit peu ce que ça aurait donné comme médecin praticien. Il n'empêche que ça ne l'a pas empêché de surtout ne pas faire de médecine et de faire une recherche qui l'a mené au prix Nobel. Pour la petite histoire, je vous ai montré la photo de mon maître Jean Brachet. Il était docteur en médecine de formation. Il a fait ses études à la faculté de médecine de l'ULB parce que c'était le seul moyen pour lui d'accéder à de la recherche en biologie fonctionnelle. À cette époque-là, et c'est resté le cas pendant quelques années après son passage, en faculté des sciences, la biologie était extrêmement contemplative, comme disent certains. C'est-à-dire que c'était la systématique animale, la systématique végétale, la muséologie, et quand vous vouliez faire des travaux un tout petit peu plus fondamentaux, comme de la biochimie, il fallait passer par la faculté de médecine. Donc Jean Brachet est effectivement, a comme seul et unique diplôme docteur en médecine, il n'a jamais vu un patient de sa vie, ça n'intéressait pas le moins du monde, et il est devenu biologiste. Donc quand je fais le décompte, 109 sur les 208, vous pouvez encore en ajouter quelques-uns, comme ce brave Richard Axel qui n'hésite pas à coudre le doigt de son chirurgien en chef dans l'abdomen de son patient. Alors une autre petite information, celle-là elle est beaucoup plus agréable à donner, enfin agréable ça dépend en qui, mais vous voyez que sur ce grand nombre de lauréats, je cumule ici les prix Nobel de chimie, de physique et de médecine, 17 femmes seulement l'ont obtenu. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que parmi ces prix Nobel scientifiques, 12 des 17 ont obtenu un prix Nobel de physiologie ou médecine. Vous voyez que j'ai aussi raccourci la formule. Et parmi les autres, il y a deux prix Nobel de chimie qui sont en réalité des prix Nobel accordés à des gens qui ont fait des travaux de biochimie et de biologie moléculaire.
Vous allez voir que le nombre de prix Nobel de chimie, un tiers, même plus d'un tiers des prix Nobel de chimie, sont en réalité des prix Nobel de biologie aussi. Donc ça en fait un petit paquet. Alors j'ai pris le parti, et ça, ça va devenir un petit peu plus pénible, il est 7h20, enfin pénible, j'espère pas pour vous, pour moi, oui, parce que j'ai du mal à... C'est un de mes défauts, j'en ai beaucoup, mais il y en a un que j'ai depuis toujours. Je me suis souvenu de ça. C'est que quand je dois parler de quelque chose, j'ai un peu tendance à aller dans le détail, j'ai un peu peur d'oublier un détail. Et quand on fait une conférence, ça n'est pas toujours agréable pour l'auditeur. Donc je vais, n'ayez crainte, vous allez voir défiler bon nombre de clichés, mais si je passe très rapidement, ça n'a aucune espèce d'importance, ça n'a pas d'intérêt en soi. Le seul intérêt, c'est que de temps à autre, je ferai un commentaire sur l'un de ces clichés, parce que des noms, vous allez en avoir, et personne ne doit les retenir, d'ailleurs moi-même, je les oublie souvent. Alors ce que j'ai fait, j'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans tout ça, et je me suis dit, ben, tous ces prix Nobel de médecine, paraît-il, concernent quelle discipline? Et j'ai fait un tri. Je me suis dit, ben, il y a d'une part des disciplines qui sont, pour tout un chacun, évidemment des disciplines médicales, appelons-les biomédicales, et vous en avez là une dizaine, ça commence par l'immunologie. Vous voyez qu'il en est une, le numéro 9, les neurosciences, ça concerne la neurologie, bien évidemment. Et là, les neurosciences sont celles qui ont été le plus souvent honorées. L'immunologie, c'est pas mal non plus. La physiologie, évidemment, c'est tellement vaste, on s'attend bien sûr à ce qu'il y en ait beaucoup. Mais même l'imagerie médicale et la chirurgie transplantation ont été couronnées d'un prix Nobel, et vous voyez que le nombre est relativement limité. Donc ça, c'est une première chose, et je vais les passer tous en revue les uns après les autres. On commence donc par l'immunologie. Pourquoi j'ai choisi l'immunologie en premier lieu? Parce que le tout premier prix Nobel de physiologie ou médecine a été attribué à Emil Adolf von Behring. Un petit mot quand même, pour se mettre dans le bain. On est à l'époque, donc on vient d'entrer dans le XXe siècle, on a derrière soi l'époque du grand Pasteur, qui, comme le disait un jour un de mes amis médecins, quand tu penses qu'il n'était que chimiste, lui ai dit, bah, écoute, j'ai l'impression que bon nombre de tes confrères, s'ils avaient le niveau du petit chimiste Pasteur, on se sentirait mieux à la surface du globe. Mais cela dit, Pasteur était effectivement chimiste, Pasteur a découvert des tas de choses. En particulier, il n'a pas découvert la vaccination, ça c'est aussi une idée qui court et qui est fausse. On vaccine depuis la fin du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que vacciner, c'est mettre en contact à une personne saine avec un agent infectieux atténué de manière à ce qu'il ne chope pas la maladie. En gros, c'est ça, la vaccination. Donc ça, on le pratique dans des limites, évidemment, le charbon, la rage. Mais il y a autre chose que l'on pratique. Depuis 1875 à peu près, et von Behring est un de ceux qui pratiquent ça allègrement, combattant, tentant de combattre la diphtérie, de traiter la diphtérie, c'est une thérapie, c'est la sérothérapie. Il s'est rendu compte qu'un patient affecté de cette maladie, la diphtérie, produit dans son sang une substance qui est une antitoxine, qui appelle ça une antitoxine, qui s'oppose à l'écotoxine. D'autant plus qu'on s'était rendu compte que ce n'est pas la bactérie de la diphtérie qui provoque la maladie ou les symptômes, c'est une substance que la bactérie sécrète. C'est une toxine. Très facile à vérifier, à l'époque ça se fait, on filtre, on récupère les bactéries, on filtre un extrait de sang, on récupère les bactéries dans le filtre, et on récupère un liquide, et le liquide reste dangereux. Ça prouve qu'il y a une toxine. Ce pourrait être autre chose, hein, ce pourrait être un virus, mais en l'occurrence, c'est une toxine. Et donc, il va effectivement vérifier que dans le sang d'un patient qui a été infecté, il y a une substance qui s'oppose à cette toxine, qu'il appelle une antitoxine. En fait, il a découvert les anticorps. Et ils vont mettre au point une sérothérapie, c'est-à-dire injecter des agents infectieux à des chevaux pour avoir de grandes quantités de sang dont on prend le sérum. Et c'est ça, l'origine de la sérothérapie qu'on pratique encore aujourd'hui. Quand on se fait mordre par une vipère, eh bien, on fait appel le plus rapidement possible au médecin ou au pharmacien qui vous injecte du sérum. C'est tout simplement du sang qui a été mis en contact avec le venin du serpent en question et qui a dressé contre ce venin des anticorps. C'est très médical et ça méritait d'être souligné. J'ai un petit commentaire à faire à propos d'Eli Metchnikoff.
1908, Eli Metchnikoff est le tout premier non-médecin à obtenir un prix Nobel de médecine. Qu'est-ce qu'il est en réalité? D'abord, il a fui la Russie. Il est zoologiste de formation, à telle enseigne que lorsqu'il vient à l'Institut Pasteur, il travaille sur des larves d'échinodermes, et des daphnies, ça n'a rien à voir avec des patients, et il découvre un phénomène surprenant. Dans ces larves d'échinodermes, il voit des cellules qui sont capables d'engloutir des petites particules. Il s'amuse d'ailleurs à les mettre en culture ou à les mettre dans un petit récipient et à leur donner des petites aiguilles de divers végétaux. Et il se rend compte que ces cellules les engloutissent littéralement. Il découvre en fait un phénomène qu'on connaît fort bien aujourd'hui, c'est la phagocytose. Et cette phagocytose est le fait de cellules qui mangent autre chose. Et il a une idée géniale, il se dit, si les cellules de mes larves d'échinodermes font ce genre de choses, je me demande si dans les sites d'inflammation, il n'y a pas, qui sont connus pour être envahis par des globules blancs, est-ce que d'aventure, ce n'est pas ça que font les globules blancs, aller là pour avaler les bactéries. Il vérifie, et c'est évidemment ce qui se passe. En d'autres termes, il est le père fondateur d'une discipline qu'on appelle l'immunité cellulaire. Et tout ça est encore abondamment étudié, mais en des termes beaucoup plus moléculaires. Donc le prix Nobel lui revient en même temps qu'à Paul Ehrlich, qui, lui, par ailleurs, avait découvert la présence de ces fameuses antitoxines et en avait extraites dans le sang. Il a donc découvert ainsi la production d'anticorps dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'immunité humorale. Donc immunité humorale, immunité cellulaire, en 1908, sont couronnées de succès, couronné d'un prix Nobel, ce qui veut dire, par parenthèse, que les découvertes sont antérieures. Richet découvre le phénomène d'anaphylaxie, c'est-à-dire une hypersensibilité qui s'installe au fur et à mesure d'éventuelles injections d'un vaccin. Certaines personnes sont effectivement sujettes à choc anaphylactique, ça n'est pas du tout souhaitable. Pensez notamment à des exemples qui sont bien connus, la piqûre de guêpe. Logiquement, on est piqué par une guêpe, on devrait s'immuniser. Eh bien, il se trouve que quand on est malheureusement sensible, lors d'une deuxième piqûre, la réaction est beaucoup plus violente. Lors d'une troisième piqûre, ce pourrait être la mort. C'est le phénomène d'anaphylaxie. C'est ce qui va valoir à ce monsieur d'obtenir le prix Nobel. Et alors, quand même, il y a eu quelques prix Nobel en Belgique. Trois, vous l'avez vu sur le tableau. Jules Bordet, qui a son institut à l'ULB, qui a un Athénée, il a tout ce qu'il faut, il a des rues. Jules Bordet a découvert, lui, bien avant, l'action bactériolytique du système immunitaire. Donc il se rend compte qu'en fait, le système immunitaire peut s'attaquer aux bactéries elles-mêmes en les lysant, en provoquant leur mort. Et surtout, il s'aperçoit que les anticorps qu'il extrait d'un sérum n'agissent pas comme tel sur une bactérie dans un petit récipient. Il faut que ça se passe à l'intérieur du sang d'un individu. Donc il en déduit que dans le sang de l'individu, il y a autre chose. Il ne sait pas ce que c'est, donc il appelle ça un complément. Et il faut donc la conjonction du complément et de l'anticorps pour que l'action bactériolytique ait lieu. Ça lui vaut le prix Nobel de médecine. Les groupes sanguins, je ne vais évidemment pas vous rappeler que nous sommes tous soit de A, soit du groupe A, soit du groupe B, soit du groupe 0, soit du groupe AB. Eh bien, ce fut découvert par Karl Landsteiner. Alors me direz-vous, ça a quelque chose à voir avec l'immunologie, mais bien évidemment, puisque quand on fait partie du groupe A, nos globules rouges sont porteurs d'une garniture à la surface qui va être reconnue comme un corps étranger par quelqu'un qui appartient au groupe B et qui va faire de l'anti-A. A, c'est l'antigène, anti-A, c'est l'anticorps. On est en pleine immunologie et ça a permis, bien sûr, d'éviter les accidents gravissimes qui se produisaient avant quand on ne prenait pas de précautions et qu'on faisait une transfusion sanguine d'une personne sans se préoccuper de savoir si elle était compatible ou non avec l'autre. La tolérance immunitaire acquise, c'est quelque chose de très facile à comprendre. Nous sommes tous, vis-à-vis des agressions extérieures, susceptibles de réagir en produisant des anticorps ou en faisant agir l'immunité cellulaire. Nous menons un combat extrêmement efficace contre tout objet qui vient de l'extérieur. De temps en temps, malheureusement, c'est la bactérie qui l'emporte. Mais songez aux greffes. Les greffes ne tiennent pas. Et d'ailleurs, à cette époque-là, on s'en était déjà aperçu. C'est un autre éminent prix Nobel, Alexis Carrel, qui va tenter des greffes d'organes d'un animal à l'autre et puis d'un individu à l'autre au sein d'une même espèce. Et il va se rendre compte que ça se solde toujours par un échec. Or, la seule greffe qui fonctionne, c'est l'autogreffe. C'est-à-dire qu'on peut très bien greffer un morceau de peau que l'on va récupérer sur la fesse pour la mettre sur le bras ou sur la joue. Ce genre de choses que l'on pratique. Et là, il n'y a pas de rejet.
Comment se fait-il que nous soyons, nous, tolérants à nos propres cellules? Eh bien, ça va être découvert par Max Vallan-Burnett et Medawar, qui, pour ce qu'on appelle la tolérance immunitaire acquise, et elle est acquise quand? Pendant le développement embryonnaire. Et tout ça a été démontré. Ce sont de très très belles recherches. Et alors, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'étudiants en sciences biologiques ou en médecine dans l'auditoire, ou des professionnels de la chose, mais quand on montre une image comme celle-là, logiquement, si vous êtes étudiant en deuxième année, et si vous ne me dites pas ce que c'est, vous revenez me voir en septembre. Ça, c'est tout à fait évident. C'est la structure moléculaire des immunoglobulines. En d'autres termes, ce joli dessin en Y est la représentation schématique des molécules d'anticorps. Les anticorps sont des immunoglobulines. Il a bien fallu déterminer la structure de ces molécules. Ce fut fait par Edelman et Porter. Et pour cette prouesse scientifique remarquable, ils ont obtenu le prix Nobel. Vous voyez qu'on s'est tout à petit éloigné de la maladie. On fait de la recherche plus fondamentale, mais elle va avoir des répercussions remarquables, d'autant plus que s'il est possible de le lire, mais peut-être n'est-ce pas inscrit, les parties supérieures de l'Y, les deux parties, où vous avez indiqué à gauche « région de liaison à l'antigène », c'est la partie variable. Et alors je vais vous annoncer quelque chose pour ceux qui ne le sauraient pas. Notre système immunitaire est un système dit « adaptatif ». C'est-à-dire que nous sommes susceptibles de nous adapter à tout, même à l'imprévisible. On peut fabriquer des antigènes que jamais l'homme n'aurait l'occasion de rencontrer tout au long de sa vie. Eh bien, notre système immunitaire va reconnaître l'antigène en question comme non soi et va donc s'adapter. En d'autres termes, nous sommes capables de produire un nombre infini de ces molécules. C'est dingue, ça! Parce que bien sûr qu'à cette époque, on savait, je vais y revenir, prix Nobel encore, on savait que les protéines, ce sont des protéines, sont faites, chacune correspond à un gène. Est-ce que le nombre de gènes est infini? Non, évidemment, 25 000. Et pourtant, infinité potentielle d'anticorps. Il y a donc une variabilité extraordinaire qu'il faut comprendre. Et vous l'avez sans doute vous compris maintenant, les chercheurs se sont mis à essayer de comprendre cela. Et ce fut fait par Tonegawa, je saute quelques étapes parce que sinon on ne va jamais s'en sortir, ce fut fait par Tonegawa. Tonegawa a compris comment il se faisait que chacun d'entre nous, et chacun et tout mammifère qui se respecte, est parfaitement capable de produire un nombre illimité d'anticorps susceptibles de se lier à un nombre illimité d'antigènes à la condition que l'antigène ait une certaine taille. Donc ce n'est pas vrai pour les toutes petites molécules, c'est vrai pour des molécules un peu plus grandes. Voilà. Alors les anticorps monoclonaux, j'ai mis un point d'exclamation, évidemment, j'en ai tant et tant utilisé dans ma vie que je ne pouvais pas passer à côté, mais je ne vais pas vous l'expliquer parce que sinon ça va être trop long. Complexe majeur d'histocompatibilité, Jean Dosset, un Français qui travaillait à l'Institut Pasteur. Les complexes majeurs d'histocompatibilité sont en réalité des complexes de molécules que nous avons à la surface de toutes nos cellules, un petit peu comme les A, les B, et qui nous caractérise chacun. Donc nous avons tous une sorte de carte d'identité qui fait précisément que nous ne sommes pas capables d'accepter la greffe d'un autre individu. Mais ça, c'est difficile à comprendre. Ben, faites-moi confiance, les chercheurs ont cherché. Et ils ont trouvé. Ces Doherty et Zinkernagel vont effectivement comprendre que ces molécules en question sont impliquées dans la reconnaissance sélective d'un intrus. Donc si on n'a pas la même molécule que son voisin, immanquablement, la molécule du voisin va être reconnue comme un intrus. Le rôle des CMH avait ainsi été élucidé, prix Nobel à la clé. Et enfin, tout dernier, 2011, il n'y a pas très longtemps, on a accordé un prix Nobel tout à fait intéressant. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là, parce que Butler et Hoffman ont en réalité travaillé, tenez-vous bien, sur l'immunité de la drosophile, une petite mouche. Eh oui, les petites mouches aussi ont un système immunitaire. Mais tous les animaux ont un système immunitaire. Oui, mais les mammifères ont un système immunitaire adaptatif. Et les petites mouches n'ont pas un système immunitaire adaptatif. C'est ce qu'on appelle un système immunitaire inné. Donc elles ont des mécanismes de défense, mais elles ne sont pas susceptibles de s'adapter à l'improbable.
Et c'est en réalité ces travaux-là qui leur ont valu le prix Nobel de médecine, tandis que Steinmann découvrait un nouveau type de cellule. Et alors, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous présenter de temps en temps ce que j'appelle très pompeusement un paradigme. Voilà le genre de schéma qui vous montre, là tout en haut, le principe même de l'immunité innée, que je ne vous demande évidemment pas d'examiner en détail. Il y a là tout un... Vous voyez que ce sont des choses assez compliquées. Et pour peu qu'on puisse le lire, vous voyez dans la légende en dessous au milieu, CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, ce qui avait déjà donné lieu à deux prix Nobel, qui est toujours en bonne et due place et qui est là dans la coprésentation d'un antigène. Donc voilà un petit peu l'histoire de l'immunologie. Donc on est parti de la sérothérapie tout à fait empirique pour en arriver à des choses qui, convenez-en, sont éminemment scientifiques, pures et dures. Microbiologie médicale, c'est évidemment dans le même topo. Je termine, tu m'avais donné une heure à laquelle je devais... À 8h moins quart, question comprise. Ah, alors ça va, parce que je vais devoir sauter des chapitres. Hein. Vous allez voir que j'avais prévu de passer la nuit. La microbiologie médicale, très vite. Bon, découverte des microbes. Ah, on ne pouvait pas rater Koch, évidemment. Koch qui est le grand concurrent de Pasteur. Il y a un superbe livre qui est d'ailleurs sorti, je ne me souviens plus du titre, mais c'est la confrontation entre Koch et Pasteur. Ils ne devaient pas beaucoup s'aimer, c'était des concurrents, que voulez-vous. Et Koch est quand même quelqu'un qui... Donc Pasteur, c'est le charbon et la vaccination contre la rage. Koch est celui qui découvre l'agent pathogène responsable de la tuberculose, qu'on appelle encore aujourd'hui le bacille de Koch, et qui est un actinomycète. Et donc, raison pour laquelle il obtient le prix Nobel de physiologie et médecine en 1905. Charles Nicolle. Intéressant, Charles Nicolle. Mais j'ai une anecdote pour chacun d'eux, c'est pour ça que je suis un petit peu embêté. Charles Nicolle a dirigé l'Institut Pasteur de Tunis. Il va donc s'intéresser aux maladies contagieuses des pays peu développés ou, bien entendu, de maladies contagieuses de régions particulièrement peu développées en France aussi. Et il est une maladie épouvantable, le typhus, qui est... Il s'en aperçoit. Il se rend compte d'une chose intéressante, c'est qu'un patient admis à l'hôpital, dès qu'on le débarrasse de ses vêtements, qu'on le lave, n'est plus contagieux. Donc on se dit, la contagion ne vient pas de lui, la contagion vient de ses vêtements sales. Et effectivement, on se rend compte que ce sont les poux du corps qui transmettent la maladie par leur déjection. Ils piquent, ils défèquent, et puis le patient se gratte à l'endroit de la défection et introduit, bien entendu, le pathogène dans sa circulation sanguine, et malheureusement pour lui, il va avoir le typhus. Alors vous voyez ce que j'ai écrit entre parenthèses, virus, c'est une lourde erreur. Mais le mot virus était utilisé à l'époque, et lorsqu'il a obtenu le prix Nobel, on pensait qu'il s'agissait d'un virus parce que l'agent pathogène passe au travers des filtres censés retenir les bactéries. Et c'est de là que vient... La définition même, le virus, c'est évidemment quelque chose qui vit et qui est virulent, ultra-filtrant, disait-on à l'époque. C'est donc un agent virulent, contagieux, qui passe à travers les filtres de porcelaine. Donc maintenant, le virus n'a plus tout à fait la même signification. Ceci n'était pas un virus, c'était une toute petite bactérie, une rickettsie. Mais bon, à l'époque, on ne pouvait pas le savoir. Alors vous voyez que Nicolle va donc traiter... Le virus, il a un moyen prophylactique de le faire, l'hygiène. Teller, lui, va développer un vaccin contre un virus vrai, celui-là, la fièvre jaune, ceux qui de temps en temps voyagent dans les pays africains, ce qui m'est arrivé, eh bien, on est prié d'aller se faire vacciner contre la fièvre jaune. Et alors, problème, le virus, le vrai virus. Pour des bactéries, ça va. Les bactéries, on les cultive. Pasteur les cultivait. On peut maintenir des bactéries en culture, mais le virus, non. Le virus a besoin d'un hôte. Alors ce qu'on faisait pour maintenir les virus, un stock de virus, on était obligé de contaminer des animaux qu'on tuait à chaque coup, évidemment. On récupérait le sang d'un animal qu'on injectait à un autre animal sain qui devenait malade et ainsi de suite. C'était la seule manière de conserver des virus. C'est un petit peu lourd. Ce qui fait qu'on s'est mis à rechercher un moyen, disons, in vitro. Et ce moyen a été mis au point par les trois personnes dont vous avez le nom, Lenders, Beller et Robbins,
qui ont réussi pour la première fois à cultiver des souches de virus sur des cellules humaines mises en culture. Parce qu'en plus de cela, les virus sont souvent très sélectifs. Tu vois qu'un virus humain ne pousse pas dans un rat, ne pousse pas chez un cochon. Donc il fallait utiliser du matériel humain. On peut difficilement, pour des raisons éthiques, utiliser des êtres humains et les injecter d'un virus pour être sûr d'entretenir la souche. Eh bien voilà, c'est fait, on peut les cultiver in vitro. C'est une grande avancée dans la microbiologie. Bloomberg et Gage Doucet peuvent aussi plein de choses raconter à propos de ces deux personnes. Quelle est la raison pour laquelle ils reçoivent un prix Nobel ? Eh bien, ils ont l'un et l'autre découvert un mode de transmission on ne peut plus inhabituel. La plupart du temps, le virus se communique ainsi par postillon, enfin pensez au virus de la grippe, c'est un contact direct entre deux êtres de la même espèce et le virus se transmet. Mais Bloomberg, vous l'avez vu, hein, l'hépatite B, vous savez très bien comment on ramasse une hépatite B, c'est suite à une transfusion sanguine. Voilà donc un mode de transmission qui est évidemment inhabituel, et c'est cette découverte-là, et la découverte par la même occasion de l'hépatite B qui va lui valoir le prix Nobel. Et Gage Doucet, lui, c'est une maladie, la maladie de Kourou. Alors la maladie de Kourou, elle va encore faire beaucoup parler d'elle, et notamment dans l'histoire du prix Nobel, parce que Gage Doucet est allé travailler en Papouasie. Il s'est intéressé aux populations locales et s'est rendu compte que bon nombre de personnes mouraient d'une maladie étrange, avaient des tremblements, c'était une neuropathie, s'affaiblissaient, qu'il a appelé la maladie de Kourou, pour désigner l'endroit où il se trouvait. Et en recherchant les causes, il s'est rendu compte que ces gens pratiquaient ce qui ne se pratique plus à la surface du globe aujourd'hui, du moins je le suppose et je l'espère, c'est le cannibalisme. C'est-à-dire qu'il y avait un rituel des morts, et on mangeait notamment le cerveau d'un décédé. Il se partageait le cerveau du décédé, et ce faisant, il se communiquait ainsi une maladie étrange. Donc il a évidemment découvert ça, la maladie de Kourou, il en a expliqué l'étiologie, il a eu le prix Nobel. Eh bien, figurez-vous que la maladie de Kourou, c'est l'équivalent pour l'être humain de la vache folle, dont vous avez sans doute entendu parler. Il ne s'agit absolument pas d'un virus, mais lui n'en savait rien du tout. Il découvrait en réalité, mais sans le savoir, un tout nouveau type d'agent infectieux, le prion. Et celui qui va découvrir le prion, c'est Prusiner, autant vous dire qu'il a eu le prix Nobel de physiologie ou médecine pour la découverte du prion. Que voilà. Et alors, le dernier en date, pas mal de gens étaient relativement satisfaits d'apprendre la chose. Encore une petite anecdote. Marshall et Warren sont australiens, découvrent une bactérie. Vous allez me dire encore une, c'est pas les bactéries, on en découvre pratiquement tous les jours. Une bactérie pathogène, Helicobacter pylori. Mais ce que cette bactérie a de particulier, et autant vous dire que quand ils l'ont prétendu, personne ne les suivait, leurs confrères étaient tout à fait opposés, très 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 sceptiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils prétendaient l'un et l'autre que c'était cette bactérie qui était responsable des ulcères d'estomac. Alors que l'ulcère, évidemment, tout le monde sait ça, il a une toute autre origine, c'est le stress et que sais-je encore, c'est l'ingurgitation de substances trop acides et ainsi de suite. On se démolit l'estomac. Pas du tout, disent-ils. Non, non, non. C'est une maladie bactérienne et d'ailleurs, si c'est comme ça, on peut la traiter par antibiothérapie. Mais il faut prouver ça. Donc ils avaient de l'hélicobacter en culture. Et Marshall a fait cette chose hallucinante. Je n'ai pas retrouvé le cartoon sur le net, mais je l'ai dans l'ouvrage consacré à ses travaux. Ses collaborateurs, un collaborateur dessinateur s'est empressé de dessiner la scène. Alors la scène, c'est le professeur Marshall dans son laboratoire avec un petit flacon rempli de la bactérie Helicobacter pylori et il l'avale lui-même. Il est devenu son propre Kobe. Et il a développé, bien entendu, un ulcère, le but étant évidemment de traiter son ulcère avec les antibiotiques, et le résultat fut concluant, donc voilà, dernier avatar de la... Alors, on est en microbiologie, je constate que j'ai parlé un petit peu de virus, un petit peu de bactéries, je ne vous ai pas parlé de parasites. C'est un peu idiot, hein, c'est moi qui ai fait cette séparation, mais parasite, ça veut dire tout et n'importe quoi. Une bactérie est un parasite, bien entendu. Un ver solitaire est un parasite. Un ver nématode est un parasite. L'agent de la malaria est un parasite. Le trypanosome, agent de la maladie du sommeil, est un parasite. Mais malaria et trypanosome, ce sont les deux que vous avez là, sont
des protozoaires, c'est-à-dire des cellules, de vraies cellules comme les nôtres, avec un noyau, qui ont une vie autonome et qui sont parasites obligatoires. Et c'est pour avoir découvert la manière dont la malaria s'attrape, donc l'étiologie de la malaria, piqûre par le moustique avec le cycle de vie qui passe par un hôte intermédiaire, les cycles parasitaires que l'on balance à nos étudiants quand on ne sait plus très bien comment les distraire. C'est horrible parce qu'ils les confondent tous, bien entendu, et je comprends. Les cycles sont fort compliqués. Bon, le cycle de la malaria, et encore, vous avez quatre types de malaria différentes, donc vous devinez un petit peu le travail. Eh bien, c'est Ronald Ross qui, pour la toute première fois, a attiré l'attention de ses confrères sur le fait que la malaria s'attrapait suite à la piqûre d'un moustique. C'est le Plasmodium, hein, Plasmodium falciparum. Une fois de plus, je ne sais pas qui est compétent dans le domaine, donc de temps en temps, j'utilise un terme pour le réveiller. Et la maladie du sommeil, c'est le trypanosome, dû à la piqûre d'une mouche, la mouche tsetse. Bien. Et alors, voilà un intrus que j'ai dû mettre dans la catégorie de la parasitologie. Souvenez-vous, l'importance des insectes, je viens d'en donner deux exemples. Plus, n'oubliez pas, le pou qui transmet la diphtérie, c'est évidemment un bon moyen d'éradiquer des maladies contagieuses parasitaires, c'est de tuer le vecteur. Et voilà pourquoi le chimiste Müller, en inventant le DDT, a obtenu le prix Nobel de physiologie et médecine pour avoir donné un moyen de prophylaxie contre les maladies transmises par les insectes. Donc c'est pour la synthèse du DDT, il ne s'agit pas d'un travail médical à proprement parler. Alors quand on parle de prix Nobel, on s'attend bien entendu à ce que on parle de médicaments. Vous voyez que j'ai à dessein utilisé un terme, chimiothérapie, parce qu'il s'agit bien de cela. La chimiothérapie ne veut rien dire d'autre que guérir à l'aide d'une substance chimique synthétisée. Évidemment, aujourd'hui, quand on parle de chimiothérapie, c'est immédiatement au cancer qu'on pense. Non, voyons ça de manière plus large. Et j'ai pris quelques exemples de prix Nobel qui ont été attribués à des gens qui ont effectivement fait une avancée considérable dans, cette fois-ci, non pas la prophylaxie, mais le traitement de maladies. D'abord, le Prontosil, qui est un antibactérien extrêmement efficace, qui avait été mis sur le marché par Domac, et dont la substance active, qui ne sera extraite que plus tard, est un sulfamide. Ce qui fait que les sulfamides vont arriver, bien entendu. Et puis, ça, c'est clair que quand on parle de prix Nobel, vous demandez à n'importe qui, connais-tu quelqu'un qui a obtenu le prix Nobel de médecine? La première chose qu'on vous dit, c'est Alexander Fleming. Alexander Fleming qui a effectivement découvert le processus bactéricide que met en jeu un champignon, une moisissure. Donc replaçons les choses dans leur contexte et soyons justes avec ces gens. En 1928, Fleming, qui est microbiologiste, constate dans ses boîtes de culture qu'il y a des zones de lyse. Les bactéries meurent à l'endroit où une spore d'un petit champignon, d'un pénicillium, est tombée. Il va évidemment se dire, mais probablement que ce pénicillium en croissant lâche une substance bactéricide, c'est tout à fait intéressant comme phénomène, et il va essayer plusieurs espèces de pénicillium. On a des souches, n'oubliez pas, c'est un laboratoire de microbiologie, ils ont des souches de pénicillium. Il y en a un qui va sortir du lot, c'est le pénicillium notatum. Les autres ne sont pas efficaces. Donc il va évidemment travailler sur le pénicillium notatum, et il va essayer d'extraire la substance active bactéricide. Il y arrive. Le seul problème, c'est qu'elle est très instable, on ne peut pas la cristalliser, n'arrive pas à la concentrer. Alors qu'est-ce qu'il fait, le microbiologiste? Eh bien, tout naturellement, il s'adresse à des collègues chimistes. Et il y a deux collègues chimistes d'Oxford, Chain et Florey, qui vont reprendre le flambeau. Et s'il n'y avait pas eu le travail des deux chimistes, la pénicilline n'aurait jamais été commercialisée, parce qu'il fallait effectivement la préparer. Donc, très logiquement, le comité Nobel ne s'y est pas trompé et a accordé le prix Nobel aux trois, Fleming le médecin, Chain et Florey, les deux chimistes de ce qu'on a appelé l'école d'Oxford, parce qu'ils étaient
tous les deux dans un laboratoire. Alors, bon, la streptomycine est venue après. Très important, la streptomycine, parce que la streptomycine a l'avantage de tuer des bactéries que ne tue pas la pénicilline. Donc, il y a une sélectivité. Et on avait ainsi un panel. Et à partir de 45, bah, maintenant, évidemment, c'est l'évidence, eh ben, on traite tout le monde avec des antibiotiques, même parfois un peu trop de temps en temps. Vous avez la grippe, prenez des antibiotiques, ça ne peut pas vous faire de tort. Ben si, il ne faut pas faire ça parce qu'on a développé des souches bactériennes résistantes et ça, c'est à Darwin qu'il faut penser, bien entendu, puisque c'est une belle démonstration. Quand des professeurs de biologie sont en mal d'inspiration pour expliquer un phénomène évolutif, il suffit de prendre celui-là. Vous allez voir, changer les conditions d'environnement et vous allez voir, il y a des variétés qui vont l'emporter sur les autres. C'est ce qui se passe. Bon, les sulfamides, je vous en ai touché un mot. Daniel Beauvais, vous voyez qu'il ne s'est pas contenté de sulfamides, il a aussi synthétisé des antihistaminiques, on en utilise beaucoup, et les dérivés du curare. Il est, pour cette raison, le père de ce qu'on appelle la neuropharmacologie, donc une pharmacologie qui est destinée plus spécifiquement au système nerveux. Vous voyez que ça continue. Black, Elion et Hitchkin, alors Gertrude Elion, une des 17 dames qui a eu le prix Nobel de physiologie et médecine en l'occurrence, laquelle a synthétisé une molécule qui porte un très joli nom, c'est la cyclovir. Alors la cyclovir, vous le connaissez, vous ne savez pas, mais vous le connaissez. J'ai oublié le nom de la préparation pharmaceutique, mais ça va me revenir. Zyrtec, c'est ce qu'on utilise contre les boutons de fièvre. Et la cyclovir est en réalité une molécule de synthèse, c'est pour les biologistes. Un dérivé de purine qui est confondu avec la purine naturelle par certains êtres vivants, entre guillemets, notamment le virus de l'herpès. Ces enzymes ne font pas le distinguo entre l'original et l'ersatz. Du coup, il intègre la mauvaise molécule et tout se bloque. Tandis que nos cellules ne font pas cette erreur. Donc on peut s'en mettre tant qu'on veut. La cyclovir ne nous fera rien. Par contre, le virus, lui, va passer de vie à trépas, ce qui est évidemment le but poursuivi, donc c'est un beau prix Nobel. Petite anecdote à propos de Madame Elion. Non, excusez-moi, je confonds avec une autre. On passe. Ça c'est 2015, souvenez-vous, vous étiez tous devant vos écrans de télévision. Oui, à ce propos, écran de télévision, donc le professeur vicieux que je suis, chaque année, au début du mois d'octobre, puisque c'est au cours de la première semaine du mois d'octobre qu'on désigne les prix Nobel, qu'on annonce le nom des lauréats, et puis ils reçoivent leur prix au cours d'une magnifique cérémonie, sauf pour la paix. Le prix Nobel de la paix, c'est à Oslo, mais tous les autres se font à Stockholm. C'est le roi de Suède qui remet la médaille, le diplôme, le chèque, non. Ils reçoivent, je suppose qu'on verse l'argent sur leur compte. Et je demandais toujours... Le lendemain du jour d'attribution de l'annonce, c'est-à-dire un mardi, puisque le lundi, on annonce le prix Nobel de médecine. Alors voilà, hier, une information à la radio ou à la télévision, vous avez certainement dû percevoir avec beaucoup d'intérêt, puisque vous êtes inscrit dans des disciplines qui, en général, droit à un silence absolument religieux. Donc il n'y a absolument personne qui s'intéresse à l'attribution d'un prix Nobel, et je crois que c'est comme ça dans le public en général. Donc, je me suis dit, ben, au fond, c'est normal, parce que c'est un épiphénomène sur une vie, c'est parce que moi, je suis dans le coup, que ça m'a beaucoup préoccupé, parce que je pense à Brachet, parce que je pense à Edouard, parce que je pense à d'autres personnes. Donc, ça me passionne, et honnêtement, je suis aussi, pas anxieux pour moi, ça, je peux vous le dire, mais ça m'intéresse de savoir qui va l'obtenir, pour voir si je fais de temps en temps des petites suppositions, en me disant, tiens, cette découverte-là, il serait peut-être temps qu'on l'honore. Édouard, ça fait des années que j'attendais qu'on annonce son nom, et je vous jure que j'ai fait un bond de joie quand en 2010 j'ai entendu prononcer son nom. Je me suis dit « enfin ». Bien, alors voilà, donc il y a un an et demi, on entend des noms, Campbell, Omura et Yu Yu. Tu Yu Yu, première chinoise et dame, 85 ans je pense, qui avait fait ce que font... bon nombre de pharmaciens dans le monde ou laboratoires de pharmacologie, extraire le plus de molécules possible de plantes reconnues comme étant médicinales dans la tradition, des médicaments traditionnels. Et elle avait été chargée, mais vous avez peut-être entendu cette information, elle avait été chargée par Mao Tse-tung, elle a quitté famille, etc., elle n'avait pas le choix d'ailleurs,
À cette époque-là, il y avait une guerre assez fratricide dans le sud de la Chine. Je suppose que ça se battait contre les Vietnamiens, je ne me souviens plus maintenant. Et puis surtout, les soldats chinois tombaient comme des mouches à cause de la malaria. Et donc il fallait trouver un antimalarique. On en connaissait, la quinine, ça ne fonctionnait pas très bien. Et elle est donc partie dans cette aventure, commençait à extraire. Et elle a trouvé une plante qui était utilisée en médecine traditionnelle. Donc ce qu'elle a fait, elle a fait ce que font tous les bons pharmaciens qui font ce genre de travail, extraire dans différents milieux, purifier, concentrer, faire un bioessai. Et elle est tombée sur une substance, l'artémisinine. Et l'artémisinine se trouve être un antimalarique qui est utilisé partout dans le monde actuellement. L'autre molécule, la vermectine, c'est un peu la même histoire, mais là, il s'agit d'une molécule, c'est une anti-helminthiase, c'est une molécule très efficace contre des parasitoses helminthiques, des vers. C'est absolument, ce sont des images à ne pas montrer, je n'en ai pas présenté. L'oncocercose des rivières, avec, vous voyez, le ver qui enroulé en spirale dans l'œil, enfin bon, vous voyez le genre de choses, parfois il sort par la peau. Ça n'est pas très ragoûtant, ce sont des maladies épouvantables, très invalidantes, et bien voilà. Les médicaments sont là, donc c'est un prix Nobel attribué pour la lutte contre les maladies parasitaires. Ah, imagerie médicale. Non, c'est pas long, deux prix, j'en ai pas trouvé plus. Deux prix plus un accessite. L'accessite, vous l'avez là. Premier prix Nobel de physique, Röntgen, qui découvre, tout le monde sait ça, les rayons X. Et vous avez là-bas, en bas à gauche, sa main, ou c'est la main de son épouse, mais je crois que c'est la sienne. Parce qu'il s'était rendu compte que ces fameux rayons qu'il venait de découvrir traversaient pratiquement tout, mais que la densité de l'objet que les rayons traversaient freinait plus ou moins le rayonnement. Et là, vous avez une belle démonstration, il publie ça d'ailleurs en 1895, on voit que la peau et les chairs sont relativement transparentes, l'air, pas de problème, les os, ben, on les voit très clairement, en contraste, et surtout, on voit sa bague. Il s'est démoli la main, ceci dit. Il n'en savait rien, mais il s'est complètement démoli la main en faisant ce genre d'expérience. Donc c'est lui qui découvre, bien entendu, le principe même de la radiographie et de la radioscopie. Je ne pouvais décemment pas l'oublier en parlant d'imagerie médicale. Et alors, viennent deux autres découvertes. Alors ici, vous avez zéro médecin. Ce sont bien entendu Röntgen physiciens. Ces quatre-là sont physiciens et ingénieurs. Ce sont les gens qui ont mis... Et un chimiste. Ce sont les gens qui ont mis au point des techniques d'imagerie médicale extrêmement sophistiquées que tout le monde connaît parce qu'il suffit de franchir la porte d'un hôpital, automatiquement vous avez CT scan, c'est par là, et la résonance magnétique, ou plutôt l'imagerie par résonance, c'est de l'autre côté, monsieur, et bien voilà. Ce sont en fait ces gens qui ont mis au point ces méthodes extrêmement performantes d'imagerie médicale non-invasive, qui ne font courir en principe aucun risque contrairement aux rayons X. Et pourquoi j'ai mis une photo et pas quatre? Tout simplement parce que Paul Lauterbur est lui aussi docteur honoris causa de la faculté de médecine et de pharmacie de l'université de Mons. Et il m'était agréable de le rappeler. Mon collègue Robert Müller a d'ailleurs travaillé avec Lauterbur in illo tempore. Chirurgie transplantation, Alexis Carrel, suture vasculaire. C'est l'Alexis Carrel dont je vous ai déjà dit un mot. Personnage pas très reluisant quant à ses opinions politiques, enfin ceci dit, chacun a les siennes, mais il était tout à fait d'extrême droite, il a d'ailleurs fait toute une série d'écrits en France, hein, à l'époque entre les deux guerres, et il a fait toute une série d'écrits qui ne sont pas appréciés par les gens qui ont l'esprit un petit peu plus large, mais enfin qu'importe, ça n'empêche que c'était un très 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 grand expérimentateur qui faisait de la chirurgie expérimentale. C'est lui qui a essayé de transplanter des organes d'un animal à l'autre. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait. Il appelait ça d'ailleurs bizarrement, il y a une sorte de force d'opposition, un truc du style. Évidemment, la force d'opposition, c'est ce que c'est. C'est le rejet complexe majeur d'histocompatibilité, l'impossibilité de faire accepter un morceau de peau de n'importe quel organe. Mais on a retenu quand même de ses travaux le fait qu'il est mis au point les techniques de suture vasculaire, ce qui est fort important en chirurgie. Alors vint évidemment la grande époque de la greffe de reins. Attention, c'est le prix Nobel en 1990, ça ne veut pas dire qu'on greffe des reins d'une personne à l'autre sans prendre de précautions, non, pas du tout. Les greffes de reins de l'époque sont des greffes de reins entre vrais jumeaux. Mais c'est la technique chirurgicale qui, bien sûr, est reprise. Et enfin, Donald Thomas
a mis au point, lui, la greffe de moelle. Et vous savez que le don de moelle est sollicité régulièrement pour les raisons, j'imagine que vous devinez, pour résoudre, pour soulager la souffrance de cancéreux, de leucémique. Voilà. Thérapie vitamine. Oui, bah écoutez, là je vais quand même sauter parce que je suppose que vous devinez tous les vitamines. Je ne vais pas vous embêter avec les vitamines. Les vitamines ont été découvertes de ci, de là et ça a donné lieu à l'attribution de quelques prix Nobel pour la découverte de vitamines. J'ai quand même une pensée toute particulière. La toute première, là, elle fait peut-être sourire. C'est un des tout premiers, le troisième prix Nobel de physiologie et médecine, parce que M. Finzen s'était rendu compte qu'il pouvait traiter les maladies de la peau, notamment la variole, qui est dû à un agent infectieux, mais aussi les lupus, en faisant converger les rayons lumineux. Hein, c'est le début de la photothérapie. On soigne par la lumière. Autre chose assez amusante, la démence paralytique qui était traitée par l'injection de malaria, donc guérir le mal par un autre mal. Évidemment, on le faisait sur des patients qu'on traitait d'abord à la quinine. Et puis, on leur inoculait la malaria. Il a eu des tas de difficultés, Wagner Jaurek, parce qu'on n'appréciait pas du tout ses travaux. On a essayé de l'empêcher de pratiquer, il a quand même pratiqué, et puis finalement, le comité Nobel a estimé que c'était pas mal du tout. Et alors viennent évidemment toute une série de prix Nobel qui ont été attribués à des gens qui ont constaté ce qu'on appelle aujourd'hui des carences alimentaires. Alors les deux premiers, un tout petit mot, mais c'est très personnel. Si j'ai entamé les études de biologie, c'est parce que j'avais une admiration sans borne pour mon professeur de biologie à l'Athénée, un certain monsieur Piron, Homer Piron. Et Homer Piron était tout sauf un biologiste comme on en voit souvent dans les facultés des sciences. Il était bien plus orienté vers la biologie fonctionnelle que vers la zoologie ou la botanique. Donc j'ai eu finalement une impression tout à fait biaisée de ce qu'était la biologie. Probablement que j'aurais dû m'orienter autrement, mais qu'importe, ça ne m'a pas trop mal réussi. Et je me souviens de ces leçons, vous vous rendez compte, ça se passait il y a quand même pas mal de temps, je me souviens de ces leçons. Je me souviens notamment de l'explication qu'il nous donnait de la maladie de Beriberi et de la maladie, le scorbut, et que c'était évidemment le point de départ de la découverte de substances qui manquaient dans l'alimentation des pauvres poulets qui mouraient de Beriberi et des êtres humains qui mouraient de la même maladie, et des individus qui ne mangeaient pas de fruits ni de légumes et qui mouraient de scorbut. Il s'est rendu compte qu'en fait, ce qui leur manquait, dans un cas, c'était la vitamine B1 et dans l'autre, la vitamine C. Dois-je ajouter qu'à partir de là, ça c'est un travail de biologie, à partir de là, les chimistes s'en sont mêlés et ont déterminé la structure de toutes ces molécules. Il y a eu toute une avalanche de prix Nobel de chimie pour tout cela. Alors, je passe la cancérologie, là, évidemment, vous vous dites, bon, cancérologie, c'est 45 prix Nobel, regardez, j'en ai retenu 6. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi volontairement des prix Nobel attribués à des travaux qui concernent la cancérologie de prime abord. Et il va sans dire que tout à l'heure, quand je vous parlerai, ça va aller, quand je vous parlerai de biologie cellulaire, ben, tous ces prix Nobel ont quelque chose à voir de près ou de loin avec la cancérologie. Mais c'est plutôt de la cancérologie fondamentale expérimentale. Ici, je parle de cancérologie du point de vue du malade et du cancérologue à l'hôpital. Alors, une histoire extraordinaire, ça méritait 3 points d'exclamation. Ce n'est pas un scandale, mais c'est quand même quelque chose qui a fait réfléchir le comité Nobel pendant à peu près 50 ans. Johannes Fibiger, c'est un Danois, fait de très beaux travaux d'histologie, donc fait des coupes, il observe, c'est ce qu'on appelle un bon pathologiste. Donc il voit bien au microscope et il décrit très très bien les maladies, les malformations. Et il est intéressé par l'émergence de ce qu'il appelle une tumeur dans l'estomac des rats et des souris. Tumeur, cancer, dont on ne sait rien à cette époque, strictement rien, on ne sait pas d'où ça vient. Ce n'est pas dû à un agent infectieux, parce que ça surtout pas, il ne fallait pas le dire. Les maladies infectieuses, Koch, Pasteur et toute la bande, et alors les cancers. Et les cancers, mystère. Tout ce qu'on sait, c'est que les cellules se comportent bizarrement, qu'elles se divisent un peu plus vite que les autres, et qu'elles ont une propriété redoutable, elles s'en vont de là où elles sont nées, et elles vont envahir tous les organes, hein, c'est la fameuse métastase. Ça, c'est ce que l'on sait à l'époque du cancer. Quant à la cause, on n'en sait rien, sauf une chose, quand même, c'est que certaines substances ou certains métiers, rend plus propice au développement d'un cancer. Les ramoneurs, par exemple, et c'est comme ça qu'on va essayer
la suie pour voir si la suie n'induit pas des tumeurs. Et cette expérience, elle est réalisée par un Japonais, Yanagiwa. Et il a vu juste. Yanagiwa a effectivement démontré en 1915 qu'il y avait des substances cancérogènes. S'il y a des fumeurs parmi vous, ce que j'espère non, eh bien, ils savent de quoi je parle. Substances cancérogènes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, on fume. Eh bien oui, le risque d'un cancer du poumon est gigantesque. Voilà, c'est Yanagiwa, mais d'une autre manière. Il n'a jamais eu le prix Nobel. Un oublié du prix Nobel. Par contre, Fibiger le reçoit pour avoir été le premier à avoir trouvé une cause au cancer. Et la cause, figurez-vous, c'est un ver nématode, le même genre de ver dont je vous parlais tout à l'heure, un ver long, là, qui va se loger dans la paroi de l'estomac et qui forme, bien sûr, une sorte de kyste. Et les cellules deviennent de fait cancéreuses. Et la conclusion qu'il tire, c'est de dire, ben voilà, les cancers proviennent de parasites. Et hop là, on lui donne le prix Nobel. C'est une erreur terrible. C'est une des rares erreurs. Le prix Nobel a été accordé un peu trop vite. En tout cas, les conclusions n'étaient pas correctes. Ça n'enlève rien au travail qu'il a fait. Tout au plus, ce qu'il a fait, c'est de décrire avec beaucoup de scrupules le cycle parasitaire de ce qu'on appelle le Spiroptera carcinoma. Vous voyez, il avait été le baptisé carcinoma, responsable d'une tumeur. Chez le rat et la souris, c'est même pas un ver qui nous affecte, et le vecteur, c'est la blatte. Pour la petite histoire, cette idée lui est venue parce qu'il s'est rendu compte, il essayait d'en avoir au laboratoire, il n'y arrivait pas. C'était très rare de voir un rat développer une tumeur de ce type. Puis un beau jour, il visite une sucrerie, et il se rend compte qu'il y a plein de rats malades là-dedans. Alors il constate, il prend ses rats, il les dissèque, ils ont tous la fameuse tumeur. Et il y a, dans chacune de ces tumeurs, il y a un ver. Alors il va voir pourquoi, et il se rend compte que dans cette raffinerie de sucre, c'est plein de blattes, et que donc les rats se nourrissent de ces blattes. Donc il établit le rapport, c'est un petit peu comme tout à l'heure, hein, avec le typhus, et la malaria, et ainsi de suite. Il y a un vecteur, la blatte. Bon, ça c'est ce qui reste de son travail. De là, lui accorder un prix Nobel de médecine pour avoir découvert la cause première du cancer, c'est quand même assez troublant. Et d'aucuns pensent, je ne suis pas loin de penser la même chose, que depuis lors, et c'est ce qui explique un gap ainsi dans le temps, le comité Nobel est resté très prudent quand il s'agissait d'accorder un prix Nobel à quelqu'un qui prétendait avoir trouvé la cause du cancer. Rendez-vous compte, Peyton House, en 1910, alors que Tonegawa, en 1915, découvrait l'action des agents cancérogènes, agents chimiques, Peyton House prétend cette chose ahurissante. Une tumeur qu'on appelle le sarcome du poulet, qui est une tumeur des organes internes du poulet, est due, dit-il, à un virus. On le prend pour un vrai fou. Parce que, comme je viens de le rappeler, les maladies infectieuses, c'est une chose, et le cancer n'a rien à voir avec cela. Et voilà que ce monsieur Peyton House ose prétendre le contraire. Non, non, le cancer est dû, ce cancer-là en tout cas, est dû à un virus. Personne ne le suit. Puis quand même, au bout de quelques années, des vérifications sont faites, notamment chez le rat. On trouve quelques formes de cancer qui sont liées à la présence d'un virus. Et l'idée que des virus oncogènes puissent exister fait son chemin jusqu'à ce qu'évidemment, on soit parfaitement convaincu qu'il avait raison. Et plus que ça, il va d'ailleurs avoir des descendants qui auront de très beaux prix Nobel. Et M. House obtient le prix Nobel en 1966. Ce qui rend évidemment la formule de Bernard Shaw, qui a eu un prix Nobel de littérature en 1925, on ne peut plus pertinente. Le Nobel est une bouée de sauvetage qu'on lance à un nageur parvenu sur le rivage. Et c'est évidemment à lui et à d'autres qu'il pensait en disant cela. Enfin non, à lui sûrement pas, parce qu'il n'était plus... Voilà. Alors, très bien. On traite le cancer de la prostate par des hormones. Merci, on est au courant. Et c'est grâce à M. Higgins qui a obtenu le prix Nobel en même temps que Peyton House. Et alors, comme je vous l'ai dit, la découverte des virus oncogènes est maintenant quelque chose de tout à fait acquis. Ça fait l'objet de chapitres entiers dans les cours d'oncologie, de biologie générale, de biologie cellulaire. Et le problème a été de savoir comment un virus peut coller, provoquer une transformation maligne. On a tout trouvé, on a notamment trouvé quelque chose d'absolument superbe. D'un point de vue biotechnologique, c'est très très important.
c'est une enzyme qui est capable de partir de l'ARN vers l'ADN, alors que généralement, c'est dans l'autre sens que les choses se passent, comme je vais avoir l'occasion de vous le rappeler. Donc ce sont des découvertes vraiment fondamentales, non seulement en oncologie, mais aussi en biologie générale et en biologie cellulaire. Et alors, dernière étape, je dis, tiens, les virus, dont le virus de Rouse, s'intègrent dans la cellule. Son génome s'intègre dans la cellule. On trouve dans le génome du virus un gène qui est responsable de la transformation maligne. Appelons-le le gène du cancer, oncogène. D'où viennent-ils ces gènes? C'est bizarre quand même que les virus trimballent ça, comme si le virus avait en projet de faire du mal à son hôte. C'est évidemment totalement faux. Donc il a fallu, on s'est demandé d'où cela venait. Eh bien on a compris, c'est intéressant, c'est ancestral. C'est-à-dire que certains virus, en infectant des cellules humaines ou des cellules d'autres animaux, au moment où ils quittent la cellule en question, partent avec un petit morceau du génome de l'hôte. Et la particule virale se reconstitue. Et c'est ce gène-là qui, au fil du temps, va un tout petit peu se modifier. Lorsqu'il est réintroduit dans une cellule, il est complètement déréglé. Il ne fait plus tout à fait ce qu'il faisait au début, ou il le fait trop ou pas assez, et le cancer se déclare. Eh bien, ce que je viens de raconter en quelques mots et en simplifiant à l'excès, c'est ce que Varmus et Bishop ont découvert, les fameux oncogènes cellulaires. Oui, nous avons en nous des centaines de gènes qu'on appelle, hélas encore, des oncogènes cellulaires. De quoi effrayer tout le monde? Non, non, ce sont des gènes, tout ce qu'il y a de plus normal. La seule chose, c'est que de temps en temps, il y en a qui sont partis dans le génome d'un virus qui est devenu virus oncogène, c'est tout. Voilà. Ça va toujours? Oui. Alors, dernier en date, j'insiste sur le premier, j'insiste sur le dernier, il y a en 2008, comment ne pas le citer celui-là, le virus du sida, HIV, virus d'immunodéficience humaine, qui a été effectivement découvert presque simultanément en France et aux États-Unis, Luc Montagnier et Madame Barré-Sidoussi, une des 17, bienheureuse, prix Nobel, alors qu'un certain Georges Gallo prétendait avoir fait la découverte en même temps aux États-Unis, puis Georges Gallo a eu de gros problèmes parce qu'il y a eu des falsifications dans ses travaux, et Gallo n'a pas obtenu le prix Nobel, d'ailleurs, il ne s'est jamais manifesté. Par contre, d'autres ont regretté de ne pas être associés à ce prix Nobel, notamment celui qui avait en charge la direction de la thèse doctorat de Mme Barré-Sinoussi. Mais Luc Montagnier était le directeur du laboratoire et c'est Luc Montagnier qui a eu l'idée au départ. Donc voilà, les choses sont bien dans l'état. Et de toute façon, constatez que nous sommes en 2008, il y a 3 prix Nobel accordés, pas question d'en donner un quatrième. Les neurosciences. Là, je vais quand même carrément sauter chapitre. Je vous l'ai dit, il y a 33 prix Nobel, il y a je ne sais combien de lauréats. C'est très compliqué, c'est à la fois de la neurochirurgie, il n'y a pas, mais en tout cas, il y a de la neurophysiologie, il y a de l'électrophysiologie, il y a l'étude de la transmission des signaux extérieurs, les yeux, le nez, le goût. Tout ça a donné lieu à l'attribution de prix Nobel. D'ailleurs, le nez, j'ai fait allusion tout à l'heure, hein, l'odorat a été honoré. Je voulais simplement vous montrer la photo d'un personnage dont on ne parle plus guère, Von Helmholtz. Vous voyez qu'il n'aurait jamais pu avoir le prix Nobel puisqu'il est mort en 1894. Eh bien, ce monsieur Von Helmholtz est un véritable pionnier dans le domaine des neurosciences et ça vaut véritablement la peine, si ça vous intéresse, de lire l'ouvrage que lui a consacré Michel Mulders. Michel Mulders ayant été le chef de service de neurologie à l'Université catholique de Louvain. Il est actuellement membre de l'Académie de médecine. Il m'a fait don de ce livre-là parce qu'il s'était rendu compte que je m'intéressais un petit peu à l'histoire de la biologie et de la médecine, remarquablement bien écrit. Et Helmholtz est un de ces scientifiques du siècle d'avant que j'apprécie tout particulièrement parce que ces gens, comme beaucoup d'autres, sont certes des scientifiques, médecins, naturalistes, philosophes, linguistes. Ils sont tout à la fois, un peu comme nous maintenant. Et donc, j'en connais un autre, Wilhelm Roux, qui est le fondateur de ma discipline, l'embryologie expérimentale. Eh bien, lui, il connaissait médecin, anatomiste, naturaliste, expérimentateur, professeur d'université par la force des choses, et aussi, tenez-vous bien, linguiste, il lisait le latin, le grec et le sanskrit dans le texte. Pas mal, hein ? Enfin, soit. Alors voilà,
Donc, oui, non, je vais franchement passer parce que sinon, on est, vous voyez, organe d'essence, on y va. D'ailleurs, moi-même, j'avais prévu le coup, j'ai été très rapide dans mon. Richard Axel, c'est celui qui se permettait de coudre le doigt de son chirurgien. Alors, physiologie, je vais ne rien en dire parce que je le regrette amèrement, mais vous voyez, il y avait encore des petits commentaires, et je vais passer à bon, la physiologie, les hormones, ils sont passés allègrement, chacune à leur tour. Je pense que vous connaissez les hormones, voilà, je fais un petit résumé. Hein. Chacun des organes qui libère une hormone, eh bien oui, chaque hormone a été découverte en son temps, dans l'ordre, la thyroïde d'abord, les hormones thyroïdiennes en 1909, et puis on a découvert l'insuline en 1923, quand même, Bentinck. Découverte, on ne peut plus, prestigieuse. Les glandes surrénales à deux reprises, on a commencé par découvrir... l'adrénaline, et puis plus tard, on a découvert le cortisol. La cortisone qui est utilisée pour bien des choses, l'hypothalamus, l'épiphyse, a d'ailleurs fait aussi l'objet d'une recherche, mais je suis obligé d'avancer. Je savais d'avance que ça allait se passer. Alors j'en terminerai donc en passant en revue, cette fois-ci, les prix Nobel de chimie. Et comme vous pouvez le constater, il y a du boulot. Hein. Prix Nobel de chimie attribué à des gens qui sont évidemment des chercheurs dans le domaine de la biologie, ou dans les différents domaines de la biologie. J'en ai donné quelques exemples. La synthèse des sucres et des purines. Ben, le sucre, c'est une molécule biologique, hein, qu'on le veuille ou non. Vous voyez, les vitamines sont là-dedans, caroténoïdes, hormones sexuelles, alcaloïdes. Ce sont des travaux de biochimistes. Et je vais donc aborder, ça c'est la toute dernière partie, les différents domaines, non plus de ce qui est strictement biomédical, mais de ce qu'on appelle la biologie générale, donc il fait l'objet d'un cours de première année, avec la biochimie en tête et la chimie des protéines, qui en fait partie, la génétique, la biologie génétique moléculaire, la biologie cellulaire et l'embryologie, la plus belle des disciplines. Lorsque je donnais encore cours en première année, je laissais passer grosso modo un trimestre, pour laisser à mon collègue, le professeur de chimie organique, le soin de réapprendre ou d'apprendre aux étudiants ce qu'était l'atome de carbone et sa structure tétraédrique et les isomères et son caractère chiral, les bases. Avant de m'amener avec mes gros sabots pour leur dire, regardez, le sucre le plus simple, c'est le glucose. Alors le glucose, c'est C6H12O6, mais on n'en est plus là. On sait depuis bien longtemps que les 6 carbones sont alignés, sont associés les uns aux autres, et que comme ils sont chacun chiral, eh bien vous pouvez trouver sur cet alignement l'hydroxyle OH d'un côté ou de l'autre. Alors vous multipliez, vous pouvez vous amuser à faire ça, même ceux qui n'ont jamais fait de chimie, c'est très facile à faire. Vous mettez 6 carbones à la queue leu-leu ainsi, et vous mettez des OH sur les 4 carbones centraux, ils sont chiraux, vous pouvez les alterner, et vous faites autant de sucre que vous voulez. Alors ça, celui qui est représenté là, c'est le glucose. Et c'est M. Fischer qui a déterminé ça. Il a obtenu le prix Nobel de chimie en 1902 pour ça. Et alors j'expliquais aux étudiants, enfin quand je dis « je », tout le monde fait ça, hein, qu'en fait c'est une formule tout à fait théorique, parce que la réalité c'est que c'est une molécule qui est cyclique. Elle se ferme sur elle-même. Et quand elle se ferme sur elle-même, il y a un nouveau carbone qui devient chiral, le numéro 1, de sorte qu'on peut avoir en bleu ici l'hydroxyle OH en 2. C'est pas un hydroxyle, quelle horreur. C'est un hémiacétal. Il se trouve en dessous du plan ou au-dessus du plan. Et on les appelle respectivement la molécule de glucose alpha ou la molécule de glucose bêta. Là, les étudiants sont épouvantés, mais enfin, bon, tout va très bien. Et je leur dis, ça, c'est une projection de Haworth. La première, c'est la projection de Fischer. Sans leur dire, au demeurant, que Haworth était un prix Nobel, tout simplement, prix Nobel de chimie. Et vous voyez que les prix Nobel, il y en a partout. Partout, partout, partout. Alors, qu'est-ce que les chimistes ont étudié très tôt? 1907, prix Nobel, hein, donc c'est avant, la fermentation des sucres. Il y a même, figurez-vous, je ne sais pas si je l'ai noté, un chimiste qui en 1945 obtenait un prix Nobel pour avoir mis au point une technique de conservation du fourrage. Pour que le fourrage reste bien vert pendant l'hiver, il aspergeait le fruit du fauchage d'acide chlorhydrique ou d'acide sulfurique. Pour inhiber, évidemment, pensez bien, pour inhiber la fermentation. La fermentation ne peut pas se faire en milieu acide, donc pas de fermentation dans le fourrage.
Faites l'expérience, tout le monde a fait ça, on coupe son gazon et on accumule le gazon dans un coin. J'ai autant vous dire que ça sent parfois très mauvais et ça chauffe. C'est la fermentation. Ce sont des choses que, bien sûr, tous ces gens ont découvert. Bon, je passe parce que je m'en voudrais, évidemment, de ne pas vous montrer un cycle et plusieurs cycles. Quelle horreur, quelle complication. C'est le cycle qui permet de comprendre comment une molécule de glucose est oxydée jusqu'à ne plus être que du CO2, donc glucose, 6 carbone, CO2, 1 carbone, on a vite compris que ça va fournir 6 CO2, plus des molécules d'eau. Mais tout ça ne se fait pas comme ça, ce n'est pas une seule réaction. Il y a beaucoup de réactions qui se succèdent. Et un des plus grands biochimistes de tous les temps, sans doute Hans Krebs, a décortiqué toutes les étapes de ce fameux cycle qu'on appelle le cycle de Krebs et qui lui a valu le prix Nobel en 1953, en même temps qu'on l'attribuait à quelqu'un d'autre qui découvrait une molécule merveilleuse, le coenzyme A. Encore une dame, Gertie Corrie, a découvert avec son mari, et ils ont toujours voulu être associés, au point que dans la Nobel Lectures, ils ont voulu un seul texte. Pas un texte de madame et un texte de monsieur, non, un seul texte, co-signé. Découvert le fameux cycle de Corrie, petit schéma est facile à comprendre, c'est la manière dont notre foie expédie du glucose à nos muscles, et comment ce muscle qui consomme le glucose, en l'oxydant en lactate, hein, le fameux acide lactique du muscle qui est responsable des crampes, quand on exagère un peu les mouvements. Donc lactate, c'est ça en fait. Comment ce lactate revient par la circulation sanguine dans le foie, lequel se charge de refaire du glucose. C'est beaucoup plus compliqué que cela, mais ça, très schématiquement, c'est ce qu'on a appelé le cycle de Corrie. Eh bien, Gerta et Karl Corrie ont obtenu le prix Nobel en 1947. Et vous voyez qu'à Madame Corrie, on a consacré un très joli timbre aux États-Unis avec une formule, ça ne se voit pas. Si j'avais le temps, je pourrais éventuellement interroger les jeunes qui sont là-bas en disant quelle est la différence entre cette molécule-là et celle que je viens de vous montrer. Et la différence, elle est là. Il y a un groupement phosphate sur le carbone numéro 1. C'est ce qu'on appelle le glucose 1-phosphate, qui porte désormais le nom d'ester de Corrie. Vous voyez qu'on colle toujours le nom des découvreurs. L'hélice de linène, magnifique, c'est la manière dont les acides gras sont oxydés. Et vous voyez. Je vais passer parce que je pense que un nouveau paradigme, prix Nobel, prix Nobel, prix Nobel, prix Nobel. On va passer à Calvin. La photosynthèse, un nouveau cycle, il a aussi eu un prix Nobel. Et alors, ça, je ne peux pas passer sous silence, la chimie des protéines. Protéines, le mot veut dire substance principale majeure. Ça, c'est un mot qui est utilisé depuis 200 ans. Donc, nous sommes surtout faits de protéines. Pas vrai, nous sommes surtout faits d'eau. Mais enfin, pour ce qui est des molécules organiques, c'est les protéines. On doit posséder environ 100 000 protéines différentes. Elles jouent les rôles les plus essentiels. Ce sont les enzymes, ce sont les protéines de structure dans nos muscles. Tout ce qui se contracte dans un muscle, ce sont des protéines. Il y a des protéines partout, partout, partout. Donc il est intéressant de s'y intéresser d'un point de vue chimique. Alors la première chose qu'on a évidemment constatée, c'est que les protéines sont des polymères, c'est-à-dire des molécules faites d'une longue chaîne de petites unités. Acides aminés. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est la structure tridimensionnelle. Et c'est un personnage qui mérite quand même d'être cité, ce serait scandaleux de ne pas le faire, Linus Pauling. C'est Linus Pauling qui va, en tant que chimiste et spécialiste de la liaison chimique, découvrir qu'il y a deux structures primaires possibles, elles sont très belles. À gauche, une hélice, et à droite, un plan plissé bêta. Ce sont les deux structures dites secondaires. Les acides aminés se mettent dans l'espace, mais pas n'importe comment. Ça prend des formes très particulières. C'est ce qu'on appelle les structures secondaires. Et vous remarquez, pour ça que j'en parle, Linus Pauling est un des rares à avoir obtenu un deuxième prix Nobel. Prix Nobel de la paix. Et je pense que la paix, vous allez la voir bientôt, parce que je vais devoir arrêter. Frédéric Sanger est un prix Nobel de chimie et prix Nobel, deuxième fois prix Nobel de chimie, un deuxième double lauréat, deux fois en chimie, pour avoir élucidé la structure primaire cette fois-ci. Il savait exactement dans quel ordre les acides aminés d'une protéine étaient agencés. C'est l'insuline. Et quelques années plus tard, Irmel Couvert, il invente une technique pour séquencer l'acide désoxyribonucléique
Et vous savez qu'aujourd'hui, on parle de la séquence d'ADN qui, me semble-t-il, est une relative bonne manière de clôturer. J'allais parler de biologie cellulaire, mais je crois effectivement qu'il est temps. Vous avez eu un aperçu de ce que c'est, donc rendez-vous à la prochaine séance, parce que je pense que je suis arrivé à peu près à la moitié de mes clichés. Eh bien, voilà, je n'ai aucune conclusion à tirer, sauf que je vais aller voir ce que j'avais préparé. Vous vous rendez compte de tout ce que vous perdez ? Ah, quand même. Voilà. Je remercie. On va terminer avec elle. Bien. Non, mais je ne dis plus rien. Je voulais simplement signaler que la petite drosophile est certainement l'animal le mieux connu au monde, des biologistes à tous les coups, parce que la drosophile a permis aux généticiens de reprendre les théories de Mendel, de les affiner et de constater que les gènes sont attachés les uns aux autres sur les chromosomes. Prix Nobel. Et à partir de là, il y a eu toute une avalanche de prix Nobel, mais qui relève de la génétique moléculaire, dont je n'ai évidemment pas le temps de vous parler. Voilà, on revient à Alfred. C'est bien ainsi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Oh là, je garde ça. Voilà. Pour les questions. Oui. OK. Merci beaucoup à Henri Alexandre pour nous avoir permis de survoler avec quelques anecdotes toute une série de prix Nobel adressés en physiologie, en médecine et aux disciplines annexes. Je vous cède tout de suite la parole pour des questions ou des commentaires. Alors, je vais commencer. Est-ce que on peut dire qu'il y a une objectivité réellement scientifique dans le choix des prix Nobel ou comme dans les disciplines comme l'économie, la paix, la littérature, il y a vraiment une influence quasiment politique sur ce qu'on veut relever ? Remarquable question. Ça ne vous étonnera pas, évidemment. Il y a, c'est indéniable, pour les prix Nobel que tu viens de citer, paix et littérature, une dimension politique, géopolitique, qui quelque part est dérangeante. Ça, je pense que personne ne peut le nier. Tout le monde a en mémoire ce prix Nobel qui fut attribué dans la précipitation à quelqu'un que, par ailleurs, j'apprécie énormément, comme beaucoup de gens ici, je suppose, c'est Barack Obama. Mais quand on y réfléchit bien, en quoi était-il justifié de lui attribuer un prix Nobel de la paix, lui qui n'avait encore rien fait ? C'est tout à fait politique. Prix Nobel de la paix accordé, il y a quelques années, j'ai oublié son nom, à un contestataire chinois. Très bien. Mais c'est vrai que, vu du point de vue chinois, c'est de la provocation, pas de doute. Eh bien, j'en arrive aux Chinois. J'étais étonné personnellement, mais ça n'engage que moi, de l'attribution d'un prix Nobel il y a 2 ans, donc l'avant-dernier prix Nobel, ces pharmacologues qui ont développé certes des médicaments fort utiles dans le tiers-monde, c'est pas innocent ce que je dis, maladies parasitaires, malaria et l'oncocercose des rivières. Alors, scientifiquement parlant, est-ce qu'ils sortent du lot ? J'ai la faiblesse de croire que non. C'est-à-dire qu'ils sont comme beaucoup d'autres. Dans le monde, il y a énormément de gens qui ont fait exactement le même travail, le même genre de travail, qui n'ont pas eu la chance de tomber sur une molécule qui permet de traiter telle ou telle maladie, mais il y en a d'autres qui ont trouvé toute une série de molécules. Il suffit de voir le nombre de préparations qui sortent actuellement sur le marché dans les industries pharmaceutiques. Alors il y a effectivement là, à mon avis, quelque chose qui a dû jouer, je crois. C'est le tiers-monde, et c'est bien qu'il en soit ainsi, mais enfin, est-ce que ça a vraiment quelque chose à voir avec un prix scientifique ? 2, une chinoise. C'est une hypothèse que j'émets. Mais en dehors de cela, et de nouveau, je répète, c'est mon feeling, il n'y a aucune preuve du tout de ce que j'avance. En science, fort heureusement, la seule chose qui prime et qui compte, c'est la qualité du travail scientifique. Il faut prendre le temps de vérifier que ce qui a été fait, un nouveau paradigme
soit vérifié par les confrères, parce que des fraudes en science, il y en a à l'appel. C'est un véritable scandale, hein. C'est quelque chose de terrible. Il y a des bouquins qui sortent là-dessus. Dans mon propre domaine, il y a quelques années de cela, une Coréenne réussit à publier deux papiers coup sur coup dans des revues tout à fait prestigieuses, où elle montre qu'elle peut transformer des cellules somatiques, des cellules de la peau, en cellules totipotentes, simplement en changeant les conditions de milieu. Fantastique, vous vous rendez compte? Reprogrammer une cellule sans lui introduire quoi que ce soit, parce que pour l'instant, je devais en parler, mais ça me donne l'occasion d'en parler. Ce que l'on fait, bien sûr, on peut transformer des cellules, les rendre pluripotentes, mais on les manipule génétiquement, donc il y a toujours un petit risque. Elle, non, elle se dit, moi j'ai résolu le problème. On a essayé de reproduire ces expériences, personne n'a jamais réussi à le faire. Elle a été mise à la porte parce qu'on s'est rendu compte qu'elle avait tout inventé. Ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres. Alors ces gens-là, le risque de donner, d'accorder un prix Nobel trop vite, il est là. Phoebe Guerre, on a donné un prix Nobel probablement trop vite parce qu'on n'a pas pris, le temps, me semble-t-il, de vérifier que des cancers pouvaient bel et bien apparaître dans d'autres circonstances, avec d'autres parasites. Eh bien voilà. Mais j'ajouterai, c'est aussi une critique qui est faite souvent, pas moi, mais j'entends, je lis. Vous avez dans la liste des prix Nobel une relative surreprésentation de chercheurs suédois, norvégiens et danois. Je dis relative surreprésentation par rapport au nombre d'habitants. Bon, c'est l'Institut Caroline qui désigne les lauréats. Disons qu'à qualité égale, qualité de travail à peu près équivalent, je peux comprendre que de temps à autre, ils aient envie que ce soit un des leurs qui reçoive la belle médaille du roi. Pourquoi pas? Mais en dehors de ça, je crois vraiment que c'est une prestigieuse récompense, toujours, selon moi, justifiée, sauf quand on va trop vite. Merci. D'autres questions? On a tous envie de rentrer. Moi, j'en ai encore, hein, si personne... Comment est-ce que les disciplines d'octroi du prix Nobel ont été déterminées? C'est Nobel lui-même, qui était lui-même chimiste et physicien, parce qu'à l'époque, c'était très mêlé. Et son idée était de favoriser la recherche scientifique avec la perspective de venir en aide à l'humanité, c'est-à-dire cesser de fabriquer des armes, en clair. Donc il s'est dit, ben, il y a la chimie et la physique, et il a ajouté la médecine et la physiologie, parce qu'il a quand même noté effectivement la physiologie. Pourquoi? Parce que dans son esprit, et dans l'esprit d'autres, la médecine ne pouvait progresser qu'à la condition de favoriser la recherche et d'encourager la recherche. Et la recherche, c'était la physiologie. Bon nombre de médecins, à l'époque, les médecins étaient des praticiens qui avaient acquis un savoir-faire, mais aucune réflexion. C'était des praticiens, voilà, on pratiquait un acte, l'art médical, qui était réservé évidemment à ces gens qui décrochaient un diplôme dans une faculté de médecine, mais ça n'était très peu ou pratiquement jamais sous-tendu par de la recherche. Et ça, Nobel l'a bien compris. Il s'est dit, si effectivement la médecine doit évoluer et aller de l'avant, ceci dit, soyons quand même de bonne foi, il arrive un bon moment, parce que la recherche médicale ou physiologique a déjà pris son élan. Hein. Pensons à Claude Bernard. Il connaît très bien Claude Bernard. Il le fréquente. Et bon, ben, Claude Bernard est le fondateur de la physiologie expérimentale. Et donc, c'est probablement un petit peu sous l'influence de Claude Bernard qu'il a eu cette idée. Mais il n'a pas pensé à autre chose. Alors, on peut regretter qu'il n'ait pas pensé à la biologie. On se dit, au fond, c'est dommage, l'écologie. C'était mon dernier cliché. Il n'y a pas de prix pour les biologistes. Or, il y a des biologistes qui font des découvertes absolument sensationnelles. Oui, mais aurait-on accordé un prix Nobel à quelqu'un comme Darwin? Non, évidemment. Parce que... Et pourtant, pour moi, c'est le plus grand des génies en biologie, certainement. Mais dès lors qu'il faut accorder ce prix Nobel à quelqu'un qui fait une avancée dans l'intérêt de l'humanité, le fait de dire « nous sommes des singes, nous appartenons tous au règne animal, l'évolution est là, il n'y a pas de création, etc. », ça n'a pas fait avancer d'un pas, me semble-t-il. Oui, notre mental, bien entendu,
Plus rien n'a été pareil après Darwin, mais ce n'est pas tout à fait dans le sens voulu par Nobel. Donc je peux comprendre que la biologie n'ait pas été... Cela dit, c'est bien que ça soit... J'étais là chercher expressément, vous voyez, j'ai noté, hein, la biologie... Et alors, quelle nouvelle? Vous savez que systématique et phylogenèse, évidemment, il y a d'autres prix. Hein. Il y a des prix qui rapportent autant, mais qui ne sont pas aussi prestigieux. Mais regardez l'éthologie, le comportement animal. Ça, c'était une surprise, vous savez, d'avoir un prix Nobel en 1973. Là, j'avoue qu'on était tous sciés à trois personnes. L'un, c'est celui qui a décrypté le langage des abeilles, prix Nobel de médecine. L'autre a étudié le comportement des épinoches, c'était son gros boulot, Nicolas Tinbergen, qui travaillait à Oxford. Et le troisième, Konrad Lorenz, c'est l'homme que l'on voit photographié, allez sur le net, vous allez le voir, il est photographié avec une oie sur sa tête, c'est celui qui a découvert la fameuse empreinte. Le fait qu'un petit animal qui naît, le premier objet en mouvement est celui qu'il va suivre. Ce n'est pas tout à fait correct d'ailleurs, on a modifié tout cela. Enfin, ça reste dans les esprits. Alors on se dit, c'est curieux quand même d'avoir donné un prix Nobel. Alors, autant vous dire que les Scribouillards ont prétendu plein de choses, et une des explications à l'époque, c'est de dire, eh bien, c'est qu'ils ne se sont pas entendus, ils n'ont pas trouvé le bon candidat, ils en avaient sans doute plusieurs, ils se sont battus entre eux, ils se sont dit, dans ces conditions, on prend les éthologistes, et comme ça, tout le monde sera content. Je n'en sais rien. Pourquoi je n'en sais rien? Parce que personne n'en sait rien. Il faut 50 ans de délai avant que les archives Nobel soient accessibles. Et je vous défie d'y aller. Moi, j'y vais de temps en temps parce que je voudrais savoir qui a nominé Jean Brachet. J'en ai trouvé un, son élève, Chantraine, qui était prof de biochimie, l'a nominé au prix Nobel de chimie. Ça, j'en suis certain, mais je sais que d'autres l'ont fait, Brachet le savait lui-même. Et donc, il y a moyen d'avoir accès à tout ça, mais il faut un délai de 50 ans. Donc, ce que je viens de vous raconter à propos de ce qui a poussé le comité Nobel à nommer des éthologistes, c'est de la blague. Cela étant dit, il faut être c'est tout à fait sérieux. De ces trois personnes, il y en a deux qui se sont préoccupés de comportement humain, notamment l'autisme. Je crois que c'est Nicolas Tinbergen qui s'est occupé d'autisme. Bon, parce qu'il s'est dit, ben, tout ce qu'on découvre sur l'animal, comportement d'un animal et comportement humain, ce n'est pas nécessairement fondamentalement différent. Voilà. Oui, mais pourquoi un prix Nobel en littérature, par exemple? Je n'en sais rien du tout. D'accord. Ça, je n'en sais rien du tout. Je crois qu'il lisait beaucoup, sans doute, mais je n'en sais vraiment rien. La paix, ça se comprend. C'est le prix. D'ailleurs, c'est le prix Nobel dont tout le monde parle. Hein. Prix Nobel scientifique, ma foi, à part... un gugus comme moi qui s'intéresse à la chose, je me préoccupe des prix Nobel en chimie et en physiologie médecine parce que c'est ma discipline, c'est la biologie qui avance. La physique, je comprends déjà pratiquement plus rien. La littérature, ben Bob Dylan, c'est bien, mais je sais pas. Oui. Subjectivité. Voilà. Avez-vous aussi l'une ou l'autre question ou remarque? Ou un commentaire? Ok, dans ce cas, je remercie encore très chaleureusement Henri Alexandre. Merci. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et de très bonnes vacances. Je vous invite, on se retrouve ici le 9 janvier pour la séance qui avait dû être reportée du cycle sur la manipulation. Ce sera Philippe Henrion et qui va nous parler des trucs et astuces utilisés par la publicité.